Conseillère en soins infirmiers, Mélanie Bérubé a obtenu des prix et des bourses tout au long de son cheminement académique. En 2005, elle a remporté le prix Florence de la Relève, décerné à chaque année par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Il récompense une infirmière de moins de 10 ans d'expérience qui s'est illustrée dans ses études, dans son travail et qui, par son engagement, exerce une influence positive sur ses pairs. Mélanie Bérubé a grandement contribué à contrer la pénurie d'infirmières dans les secteurs des soins critiques et de la traumatologie à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle participe activement à la formation des infirmières qui y travaillent. Madame Bérubé est reconnue pour avoir participé à l'élaboration de différents programmes de formation universitaire. Dépeindre la carrière de cette femme exceptionnelle, hautement impliquée dans son milieu, équivaudrait à mettre en lumière le rôle significatif joué par celle-ci dans la formation des infirmières en soins critiques et traumatologie et leur avancement au plan professionnel. Quelques hauts faits sont dignes de mention, dont la mise sur pied d'un programme de résidence en sciences infirmières dans la spécialité des soins critiques, programme qui allait recevoir en 2009 un prix de l'Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux. Aussi, Mme Bérubé a implanté un programme visant à faciliter l'obtention de la certification canadienne en soins intensifs, décernée par l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Depuis la création de ce programme, plus de 20 infirmières des soins intensifs ont reçu cette certification. Poussée par ce besoin d'approfondissement des connaissances et ce désir de communiquer aux générations montantes le fruit de ses travaux, Mme Bérubé demeure engagée dans de nombreux projets de recherche en sciences infirmières et en traumatologie. La conseillère en soins infirmiers participe fréquemment à des conférences et des congrès, tant au plan national qu'international, et à la publication de travaux scientifiques. Reconnue par ses pairs pour son dévouement et son professionnalisme, Mme Bérubé demeure pour l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal un atout des plus précieux.